Oui, salut à tous, je suis ravi ce soir de vous présenter la quatrième quart de finale du tournoi Free Tournament, un tournoi Arcadia. Un gros match de prévu ce soir avec Shira Stunfest qui jouera le personnage de Rose contre FFC Vince avec T-Walk. Alors ça nous promet pas mal de spectacles encore ce soir. Alors bon, T-Walk, comme on le connaît tous, c'est un personnage qui frappe fort, un petit peu lent, mais quand on sait très bien le jouer, on sait qu'il peut faire très mal. Et puis Rose plutôt rapide, alors ça va nous promettre un combat. Bon, c'est parti, Laura Soul Spark bloqué, le Condor qui passe pas, ou Laura Soul Spark aussi passe, Soul Spark bloqué, la chope aérienne magnifique, ouh là ça joue bien. Ouais, FFC Vince c'est un mauvais sport, Laura Soul Spark encore qui passe, ouh il se reprend FFC Vince avec un Tomahawk Buster qui passe bien, le Condor piqué aussi qui passe, ouh la combat très serré, Laura Soul Spark toujours qui passe, ça joue très bien mesdames et messieurs, on a le droit du beau spectacle, oui la chope aérienne magnifique. Un peu d'attente. Oh, le Raging Typhoon, alors là, ça va le remettre dans la partie, mon neveu. Eh oui, là, de suite, il fait mal, celui-là. Ouais, ben non, ça n'a pas suffi, malheureusement, pour battre Shiraz dans ce match. Franchement, c'était assez bien joué, quand même, de la part des deux candidats. Donc, ça nous promet encore du spectacle pour cette quart de finale. Tu vois qu'il est un peu énervé, là, après ce round concédé. Je crois qu'ils vont faire son petit déjeuner. Ouais, le Condor qui passe. Shiraz qui se laisse pas faire non plus. Ou enchaînement qui fait mal au sol. Condor qui va pas jusqu'au bout. Ouh là c'est bien passé ce coup-ci. Oh Mexican Typhoon, ça sent bien le sombrero là. Ça respire le Mexique. Coup de pied fort dans la tête. Condor drive. Bonjour l'Illusion Spark, s'il passe il fait mal. Ouh le Condor drive qui le contre. Alors là magnifique, bien fini. Ah, dommage que l'Ultra n'ait pas passé, elle aurait mis Shiraz dans le coup. Alors, ce qui nous fait un partout, donc ça nous promet encore un match serré, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est parti. Vince s'est un peu repris. Balayette de Shiraz qui passe. Oh, Thomas Walkbuster, ex. Joli. Ça se regarde de loin. On a vu Vince voilà, qui essaie de tenter le Condor. Oula, la Mexican Typhoon qui passe. Celui-là, il fait très mal. Ah, là de suite, elle perd beaucoup de vie, Shiraz. Ça l'a mis un petit peu mal, mais bon, rien n'est fini. Condor, bien joué. Ah là là là, deux fois ça fait mal. Le Mexican Typhoon. Ah non, les Illusion Spark qui passent pas. Ouais, Shiraz qui ne tient plus qu'un fil, sa petite vie. Elle ose quand même avancer. Ah non, voilà, le Condor Drive X qui passe, qui en finit pour ce premier tour des quarts de finale. Donc 1-0 pour Vince qui va continuer donc avec la revanche. On rappelle que c'est en 3-7 gagnant. Donc pour le deuxième set, bon rien n'est joué, mais c'est vrai que Vince a des très gros coups et Shiraz encaisse, mais pour l'instant ce n'est pas suffisant. C'est sûr que bon c'est pas le même gabarit et il pourrait en manger 3 comme Rose, tu vois, comme petit déjeuner. Mais bon, c'est la rapidité des fois fait beaucoup et le savoir-faire aussi. Donc Shiraz n'est pas fini. Ah, faut pas que Shiraz se fasse prendre par les chopes de Vince parce qu'ils lui font très très mal. Faut qu'il reste un petit peu à distance. Envoyer des Soul Spark peut-être ou des Aura Soul Spark. Arriver de loin, ça peut faire toujours du bien. Voilà la chope qui passe bien. Voilà, récarte-toi Shiraz, c'est bien. Et voilà, vous voyez, comme je vous ai dit là, ça va. Ah, dommage, il s'est pas protégé. Il a voulu trop enchaîner. La chope aérienne qui passe bien. Ah oui, là voilà, c'est comme ça qu'il devrait jouer, c'est comme ça que ça va mieux. Ah, mais bon, Bin, c'est quand même un très très bon joueur, il va pas se laisser faire comme ça. Et voilà, il s'est fait attraper, là, ça l'a mis dans de beaux draps. C'est pas la lessive au mot. La chope qui passe, elle fait du bien. On va sous le Spark, qui suit. Tentative de Condor qui passe pas. Tomahawk bloqué, oh Rassault Spark pour finir, oh, c'est magnifique, alors la Rose qui revient dans la partie. Ça met toujours un petit peu de pression à Vince, ça prouve que son adversaire se laisse pas faire. Et psychologiquement c'est toujours bien de déstabiliser son adversaire dans les combats un peu serrés comme ça. C'est souvent ce qui fait la différence. Oh Laura qui passe pas bloqué. Petite balayette, pirouette, cacahuète, joli. Devrait s'inscrire au JO de patinage. Il aurait peut-être sa place, mais il a aussi sa place sur le ring. Oh l'hypercute qui coupe le Condor en plein vol, ça c'était joli. Ah oui là, Vince ne s'arrête plus d'attaquer. Illusion Spark, je pense pas qu'il va passer. Oh si, il passe, c'est magnifique. Alors là ça va remettre un petit peu dedans. Ah il est passé, il m'a fait mentir Shiraz. Joli.
La chope aérienne, là, ça le remet dans le... Putain, c'est que des matchs vraiment serrés qui nous font. Moi, j'ai un plaisir à les commenter. J'espère que vous avez le même plaisir à le regarder. Et la balayette pour terminer. Ce qui nous fait toujours un... Hein. C'est jusqu'au bout, ils nous donneront de l'émotion et de l'attention dans ce match. Cette quatrième quart de finale. Alors, qui c'est qui va passer en demi? Je peux pas encore vous le dire. Début du troisième round, ça se joue de loin. Le Solstrau qui passe, belle shot, magnifique. Solspark esquivé par le Condor, ça passe pas. Oh, magnifique, le Mexicain Typhoon qui vient écraser Rose. Ouh, je me suis emballé tout seul sur ce passage. Oh, le deuxième, magnifique. Vince est en train de planter le clou, on peut dire ça. Pire qu'un bûcheron ou un maçon qui voudrait faire un coffrage. Ouais, c'est incroyable. Oh, le Condor X qui passe. Je transpire, mon ami. Oh, Shiraz n'est pas fini, ça repart. Voilà, c'est la fin du plantation, le Boursin. Il reste un soupçon de vie, un poil de moustache à Shiraz qui reste de loin. Au bord du chaos, l'adrénaline donne toujours soupçon d'espoir. Mais bon, bien que là, ça semble un peu râpé pour Shiraz. Oh là, si ça passe, ça... Oh, c'est magnifique. Alors là, là, c'est revenu dans la partie, comme je vous le disais. Maintenant, ça va être du kit ou du une chance sur deux, le premier. Et oh putain, c'est Shiraz qui a gagné, mon ami. C'est magnifique, ce revirement de situation. Alors là, ben voilà, il remporte en plus le deuxième round, le deuxième set, pardonnez-moi, de cette quart de finale. Donc ça remet les compteurs à zéro. Ah, quel très beau combat, on est très fiers d'avoir des joueurs comme ça dans le tournoi Arcadia. Ça fait plaisir de te sentir soutenu, merci à vous. Puis j'espère qu'on va continuer longtemps encore ensemble. Et voilà, et peut-être un jour on rivalisera avec les pays asiatiques. Parce que la France aussi en a notre mot à dire. Alors, c'est reparti pour ce match très palpitant. Revenons à nos moutons, revenons à nos bergers. Où sont les chiens, appelez-les. Parce qu'il va y avoir du sport là, je te le dis. Un vrai combat de pitbull donc. Faut dire que dans les airs, les deux se complètent plutôt bien. Parce que la chope aérienne de Shiraz permet bien de bloquer les Condors. Mais bon, c'est toute une question de timing. Soul Sparkle, Condor qui le casse. Condor trop court, la chope, joli Shiraz. Bien joué, Soul Spark, deux fois bloqué. Petit moment de blanc, petit moment de coupure, un peu de repos peut-être pour les doigts. Solspark, oh, esquivé d'un saut, le Condor X qui passe. Oh, le Condor, oh, l'aura pour se déporter, ça c'est bien joué. Le Condor un petit peu court, l'aura qui passe pas, mais la chope de suite après. Bien joué, l'aura bloqué. Oh, le Condor trop court, petit point, court aussi. Oh, balayette esquivé de Tomahawk, petit point, aura sous le Spark, The Beast, ça passe. Oh, le Condor qui bloque la chope pour finir cet enchaînement magnifique. Soul Spark bloqué, ça passe. Le pied en l'air qui fait mal, oh, le Condor qui transperce le Soul Spark, coup de pied bloqué. Voilà, c'est serré. Oh, le Rigging Typhoon qui passe pas, oh, Shiraz en profite avec l'aura. Soul Spark, Tomahawk, oh, joli, bien contré pour finir. Oh, c'est quand même un très beau combat, franchement. À l'heure actuelle, impossible de dire le gagnant. Moi, je dirais les deux. En avant pour ce deuxième round. Soul Spark. Est-ce qu'il veut d'un saut? Petite balayette. Condor bloqué. La chance qui passe. Soul Spark ou peut-être celui-là. La Condor toujours bloqué. Ah, il aurait fait une petite chop. Ça aurait été le bon enchaînement. Elle est Mexican. Mexican Typhoon. Celui-là, il fait mal, mon collègue. Condor. Soul Spark. Est-ce qu'il veut d'un saut? Oh, le Condor juste après. Joli. Deux fois. Bloqué ce coup-ci, la balayette. Soul Spark, il a le temps de l'avoir arrivé, Vince. Bon, je rappelle que tous les deux, pour arriver jusque-là, ont commis un sans faute, que des victoires jusqu'à présent. Et là, c'est vrai que l'adversaire est un petit peu plus dur. Une épine dans le pied. Coup d'écharpe, petit point, balayette bloqué, dash arrière pour respirer. Soul Spark, ouh. Et le Condor qui bloque cette belle enchaînement de la part de Shiraz, l'ultra qui ne peut pas passer. C'est joli, c'est super, il attend de le voir venir, il saute par-dessus, Vince, Condor qui passe pas, petite balayette, tournicoti, tournicota, attention la chope qui passe, Soul Spark bloqué, mesdames et messieurs, c'est un grand moment de combat encore que nous avons à faire avec ces deux combattants. Joli match, oh, le Solstro qui passe, la vie c'est juste, oh là là, l'illusion de Spark qui va certainement passer, voilà c'est fini, putain, Shiraz se sera très bien défendu encore dans ce match, Vince a du fil à... Du filament, je sais plus comment on dit ça, oui, du fil à retordre. C'est vrai que Vince est un très très bon joueur, d'habitude il a un peu moins de mal à se débarrasser de ses concurrents. Mais là, il est tombé sur quelqu'un de résistant. Donc je me remets le casque, vous inquiétez pas si vous avez entendu des petits bruitages, c'est rien. C'est le dernier set, mesdames et messieurs. Ça va se jouer, tout va se jouer maintenant. Parce que comme vous l'avez vu, c'est le quatrième set, on a sauté le troisième suite à un petit incident technique, on n'a pas la vidéo.
Donc je vous dis, c'est Vince qui a gagné, donc ce qui nous fait 2-2. Donc tout va se jouer dans ce dernier set. Qui passera en demi-finale, Dieu seul le sait. Et même lui, je suis pas sûr qu'il le sache, tellement que c'est serré entre les deux. Et c'est parti avec le Soul Spark qui passe, deuxième Soul Spark, le Condor un peu trop court, oh la balayette pirouette, le Condor un peu court encore une fois, mais celui-là, le Tomahawk qui passe, c'est magnifique. Oh, le Condor, double enchaînement, le Tomahawk, le Condor, la balayette, mon ami, je m'enflamme sur mes patinettes. Oh, le Soul Stroke qui passe pas, oh, le Tomahawk Buster qui le contre, joli, le Condor aussi passe. Le Soul Stroke un peu lent, oh, la chope qui vient suivre, joli. Oh, belle domination de Vince dans ce cinquième set. Très important pour passer en demi-finale, c'est maintenant. Balayette, une autre balayette, c'est la vengeance. Double Soul Spark. Un peu court, la balayette qui passe encore une fois. Le Soul Spark qui suit, bloqué. Un petit peu d'observation. Shiraz n'ose plus trop s'approcher, reste à distance. Vince l'attend bien gentiment pour envoyer son Condor, à mon avis. Bloqué. Les deux n'osent plus vraiment attaquer. Petit moment de repos, on se repose un peu les doigts et on fait retomber un petit peu le stress. Ça continue d'attaquer le Condor X qui passe pas, celui de la balayette magnifique. Oh, l'Illusion Spark va encore passer, toujours pareil, pas dans le Condor, il passe à chaque fois. Et c'est envoyé toujours au bon moment, toujours pendant le Condor, et c'est magnifique. Ça passe à chaque fois et c'est ça qui lui permet sûrement d'être encore là. Parce que Vince, je le trouve phénoménal avec T-Walk, il le gère très très bien. Condor stoppé par le Soul Spark. Soul Spark esquivé d'un saut, le Soul Stroke manqué, le Tomahawk qui passe, le Condor X bloqué. Condor celui-là il passe. Putain, qui c'est qui va l'emporter? Petit point, balayette, elle passe aussi. Tomahawk un peu court suivi de la chope. Oh, Vince revient dans la partie. Soul Spark, esquivé d'un dash arrière, puis un blocage. Shiraz va peut-être emmener Rose en demi-finale. Ou est-ce que c'est T-Walk qui va l'emporter? On ne le saura pas jusqu'au bout, je crois qu'il va nous laisser un suspense de folie, d'anthologie. Le Condor Rex bloqué, c'est un match de malade, il va encore passer. Non, ce coup-ci il est bien bloqué par T-Walk. C'est pas fini mon ami, putain, Shiraz qui vient de perdre ce coup et Vince qui revient dans la partie. Un round partout dans ce cinquième set, très serré, très disputé. Qui c'est qui va arriver en demi-finale? Je me le demande, je m'arrêterai plus, je m'en fous, je finis le round comme ça, tout en discutant. C'est la fin des haricots mon ami, je reprends plus mon souffle. Le Condor bloqué, la balayette, ça passe. Ouh là là, le Condor Rex mon ami. C'est un coup l'un, un coup l'autre, ça se rend, ça se donne. Je te prête, tu me le donnes, je te reprête, tu me le redonnes et je te le renvoie en pleine figure. Allez, revenons à nos moutons, un Soul Spark bloqué. Le Condor un peu court, balayette qui vient bloquer ça, le Soul Spark qui passe pas. C'est le round final, le Condor, ouh, le Mexican Typhoon, celui-là il fait très mal, il remet Vince dans la partie, la balayette, ou l'aura qui passe. Shiraz à terre, Vince va-t-il en profiter? Oui, coup de pied en plein vol, joli. Ça s'observe de loin, personne n'ose attaquer, ou ça c'est magnifique, l'ultra va-t-il passer? Non, bloqué. Il était un peu attendu celui-là, placé au mauvais moment, c'est dommage, le Soul Spark esquivé d'un saut. Oh, le focus contré par un Soul Spark. Oui, c'est le dernier round de ce dernier quart de finale, de cette dernière manche, mais qui c'est qui va l'emporter? On ne sait pas, le Condor ou le Mexican un peu loin, dommage. Oh, Shiraz qui en a profité pour contrer, magnifique. Elle se remet dans la partie, mais qui c'est qui va l'emporter, mon ami? Je vais faire une crise cardiaque, aidez-moi. Non, le Condor un petit peu haut. Qu'est-ce qui va se passer dans ce tournoi Arcadia? C'est un véritable folie et c'est Vince qui se qualifie pour les demi-finales, mon ami. J'enlève mon chapeau, ma casquette. Ah là là, j'en perds mon chapeau, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre. Je vous remercie de votre fidélité, c'était un plaisir de commenter ce match pour vous. J'espère que vous êtes régalés à le regarder. En tout cas, je vous attends avec Lorenzo pour les demi-finales. Alors, soyez nombreux et puis, c'est que le début.